pour toi qui est vierge, sagittaire, poisson, scorpion, cancer et le petit dernier, gémeaux. On va aller voir comment ça évolue sentimentalement pour toi la semaine prochaine. Si tu ne te trouves pas dans ce tirage-là, il est dans le suivant ou celui qui est déjà posté. Allez, ok. Il y a un homme, une énergie plutôt masculine, avec qui ça prend du retard. Soit tu es en crush sur quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, tout du moins la personne que tu as dans le cœur, celle que tu as dans la tête. On voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe jusqu'ici. Ah, regarde comme c'est trop beau. Malgré le retard que prend cette personne, on te dit qu'il y a quand même le retour, tu vois, il y a la roue qui tourne et en fait, vous êtes quand même liés. Regarde, toi, il y a la main qui essaye de s'attraper. On sent qu'on est quand même liés et qu'il y a cette envie de retour. On te dit que c'est quelque chose qui va arriver incessamment sous peu, tu vois. Là, il y a des saisons et la roue, elle tourne. Donc, ça va clairement vers un changement qui est, pour le coup, plutôt positif. Mais tu sens que ça prend du retard, que ça avance pas à la vitesse que tu voudrais. Ça met certainement ta patience à l'épreuve. En tout cas, c'est un véritable cadeau parce que cette personne, quand elle va revenir, elle va en fait te faire une proposition, un cadeau, peut-être même t'inviter à sortir, à faire un petit resto ou je ne sais quoi dans le genre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, c'est pas n'importe qui. Clairement, par rapport à celle que tu penses, on sent vraiment qu'il y a une relation d'âme-sœur parce que, tu vois, il y a le contrat qui est passé avec cette personne. Alors, contrat, parce qu'à un moment donné, ça va tellement bien se mettre en place que bah, il y a cette sensation et cette envie d'engagement réciproque. Ça pourrait être aussi, alors, le retour d'une décision de la personne de ton cœur, peut-être, à s'engager avec toi. Ça peut être ça, ce qui a mis du temps, en fait, à se mettre en place. Quoi qu'il en soit, pour toi qui est peut-être séparé ou en distance ou quelque chose dans ce style-là, on te montre bien qu'il y a, regarde, on pose un scotch dessus. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous êtes en séparation, il y a quand même le retour de la personne de ton cœur. Et on parle de réunion. Alors la réunion, elle peut être dans une relation qui est sacrée, mais aussi une reprise de communication pour pouvoir maintenant avancer dans le bon sens. Quoi qu'il en soit, tu vas pour la semaine prochaine vers une totale évolution malgré l'instabilité de ce retour parce que c'est quelque chose qui traîne et quand il va se mettre en route, tu vas clairement être déstabilisé. Mais c'est quelque chose de plutôt cool.